Et salut tout le monde, c'est MarioVideo44. Bonjour tout le monde. Et là vous devez vous demander pourquoi on fait une vidéo sur Brochu pour ton affiné le Ouaté. Eh bien c'est, on vous l'avait promis, on va vous faire une vidéo sur deux vidéos sur le mode mi en fait. Donc Donc en fait dans le mode mi vous avez des filles rouées vers l'or et course pièce. Alors nous, on va vous faire course pièce et défi. Rouer vers l'or, on va pas le... Si, non, en fait, on va vous faire une vidéo avec course pièce là, c'est celle-ci qu'on va vous faire là. Vous avez vu dans le titre de la vidéo. Et une vidéo où on vous montrera défi et rouer vers l'or. Ah, d'accord. Alors, donc là, le mode mi, bah, comme son nom l'indique, vous pouvez jouer avec votre mi. Voilà. Et ça, donc, on va tout de suite commencer. Alors, course pièce. Et nous, bah, comme on est sympa, bah, on va jouer. Ah oui, vous êtes obligé de jouer à partir de deux joueurs dans ce mode-là. Enfin, dans le mode course-pièce. Et donc, nous, on va jouer avec nos mi. Hein, alors là, vous choisissez le mi que vous voulez. Donc, moi, je vais prendre Lucas. Donc, vous, attends. Vous pouvez mettre la casquette si vous voulez ou pas. Moi, je vais mettre la casquette. Alors, nous, alors attendez. Dans cette vidéo, alors, on va vous faire les stages personnalisables. Alors, pourquoi ça s'appelle des stages personnalisables? Alors, c'est tout simplement parce que, regardez, quand je clique. C'est-à-dire standard ou personnalisé. Alors, c'est-à-dire, soit vous jouez personnalisé ou soit standard. Standard, enfin, c'est-à-dire personnalisé, ça va être le... Vous allez pouvoir le personnaliser. C'est-à-dire, vite fait, je vous montre. On prend le gamepad. Qui est déchargé. Oui. Et on va pouvoir mettre des pièces, regardez. Par exemple, alors là, j'ai 0 pièces. D'accord, alors. C'est-à-dire, je vais retirer un peu des pièces. Tac, 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 c'est bon. Et par exemple, je vais mettre des pièces. Vous pouvez les mettre comme vous voulez, hein, vous voyez, un peu partout. Hein. Mais par exemple, enfin, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est ce mode-là. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire. Hein. Et une fois que bah, vous avez fait ça, bah, vous pouvez jouer avec votre création. Voilà. Et par contre, là, ces niveaux-là, du niveau 1 au niveau 8, ce sont des niveaux qu'on n'a pas vu dans le mode aventure. Ce sont des niveaux, Sinon. Ou des nouveaux niveaux, ou des niveaux qui étaient dans les Super Mario Bros. Super Mario Bros. Sinon, vous avez, vous avez les anciens niveaux, hein, qu'on a fait durant l'Ouaté, mais vous pouvez pas regarder si je clique dessus, c'est que standard, vous avez pas personnalisable. Et aussi, vous pouvez faire course aléatoire, par exemple, dans. Par contre, course aléatoire, c'est que par exemple là, si je clique sur course aléatoire, ça va être que dans plaine du grand chêne. Voilà, c'est pas, ça va pas varier. Ça, j'aurais bien aimé que ça varie, mais si vous voulez faire varier, on vous montrera plus tard. C'est un autre, enfin dans une autre vidéo, ça sert. Donc, on va tout de suite commencer les stages personnalisables. Alors, avec le c'est niveau. C'est pas en coopération, hein, c'est. Ouais. Nous, on est contre. Voilà. Voilà. Avec Sacha, on est contre. Alors, sachant que quand vous gagnez, par exemple, quand vous ramassez un champignon vie, ça vous fait gagner, par exemple, des pièces. Les pièces étoiles, c'est un bonus de pièces qui arrive à la fin du niveau. Bon, avec Sacha, voilà, donc... On connaît vite de se tuer, quand même. Oui, on n'est pas non plus sadique, parce que bon, si on crève, si on n'arrête pas de crever, vous allez rien voir. Mais on essaie, je vais quand même essayer. Alors là, celui qui a l'étoile sur la tête, c'est Lucas, c'est parce que c'est lui qui gagne, tout simplement. Quel plus de pièces. D'habitude, tu me bats tout le... Une fois, avec Sacha, on avait fait un test, en fait, j'arrêtais pas de perdre. Et du coup, Sacha, il s'était mis en bulle pendant tout le niveau. On l'avait délivré juste à la fin. Il avait gagné quoi. Il avait, je sais plus, t'avais ramassé un truc. Alors, les pièces étoiles sont comptabilisées à la fin. Là, c'est que les. C'est-à-dire, Sacha, il peut quand même. Voilà, vous voyez, regardez, il est en train. Ah, ça va être serré entre nous. Mais ça veut pas dire si quand je finis, quand je touche le drapeau, j'ai l'étoile. Ça veut pas forcément dire que j'ai gagné parce que vous avez des bonus et tout qui sont comptabilisés seulement à la fin. Dans un... Vous allez voir ça. Avec le checkpoint. Ah si. Donc, vous voyez là, par exemple. Bonus x 10. Avec ma gueule sur le. Bon, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Donc évidemment, l'horrible voix des mi, hein, qu'on entend. Franchement, ils auraient pu faire autre chose pour leur voix. Hein. C'est vraiment Google, je trouve. Ouais, ouais. Ah oui, on a des vies à l'infini, par contre, dans ce mode-là. Et quand vous faites toucher par un ennemi, vous perdez des pièces. Et je crois... Attendez, deux secondes, Sacha. Est-ce que je peux me mettre en bulle? Non, on peut pas se mettre en bulle. Bah, oui, parce qu'on n'est pas ensemble, donc, du coup... Quand vous pouvez toucher, vous perdez des pièces dedans. Et quand vous crevez aussi, vous perdez des pièces. Vous crevez dans tous les sens. Vous perdez des pièces dès qu'il se passe quelque chose. Voilà. Au moindre événement, vous perdez des pièces. Alors évidemment, plus vous arrivez haut sur le drapeau, plus vous gagnez des pièces. Et Sacha de la chance. Quand vous avez ça,
Merde. Petit connard. Ok, je vais afficher tout film partout, je sais. 5 minutes 10, ok, partout, on est à 5 minutes de vidéo. Donc, les niveaux sont pas très très longs, hein, mais bon. Alors la pièce. Donc voilà, tu gagnes, pièce étoile. Tu gagnes. Je gagne bonus pas. De pièce. Tu gagnes. Oh là là. Je t'ai carrément niqué là. C'est marrant. Ouais. Alors là, tu vas avoir la haine si je te bats, si je t'explose carrément. Parce que d'habitude, tu me bats. Victoire pour Lucas 1, victoire pour moi 0. Voilà, on peut voir là, en bas à gauche. Alors ce qui est marrant, c'est que d'habitude, Sacha il me bat tout le temps, mais là, c'est moi qui vais gagner. Alors là, c'est un peu à la Mario Bros. Vous savez, le tout premier Mario, mais. Enfin, c'est si on veut. Là, oui, là, parce que ça avait révolutionné le mode multijoueur, donc on pouvait jouer à deux simultanément, vous vous rendez compte ou pas? À l'époque, hein. Comme là, actuellement, on joue là, comme ça, on pouvait jouer simultanément sur Mario Bros. C'est un jeu d'arcade. Arcade, c'est-à-dire, si vous savez... Alors là, par exemple, regardez, si je vais à gauche, je ressors à droite. Voilà, je crois, c'était comme demain. Ouais. Alors, jeu d'arcade, si vous savez pas ce que c'est, si vous vous demandez, parce que moi, je comprenais pas au début ce que ça voulait dire, je savais que ça existait, mais je savais pas trop. En fait, un jeu d'arcade, c'est très simple, c'est les jeux que vous avez dans... Alors, c'est déjà la fin dans du les niveau, boutiques. Hein. Oui, il ça est va très vite, bon. Ça va. Ça va Sacha, ta gueule. Oui, quand ça te prend vraiment pour un débile. Je sais pas, tu pourrais faire un peu semblant que t'es intelligent, quoi. Tu ça, les gens ils se disent, ah ouais, en fait, c'est pas cool, mais non, en fait. Je vais vraiment faire genre. Sacha désespère. Donc voilà, profitez de ces vidéos, c'est sûrement les dernières qu'on fait sur Bansu. Bah, il y aura une vidéo. On fera pas de vidéo test, hein. En fait, les vidéos test. On fera pas, nous, c'est. On fait que les wattés. Voilà. Voilà. On laisse les vidéos test à d'autres gens qui sont plus. Voilà. Bon, on peut quand même. Je peux vous donner mon avis du jeu, hein. C'est un très bon jeu, mais ça fait un peu un copier-coller de Bros. Oui. Enfin, non, pas vraiment, quand même. C'est pas non plus un copier-coller, mais il ressemble, quoi. C'est pas là, pas non plus. C'est pas. Ça révolutionne pas trop. Par contre, New Super Mario Bros. 2, New Super Mario Bros. Wii, c'est clair. Là, ils se sont. Ah oui, Bros 2, oh là là. Là, aucune nouveauté dans ce jeu là. Là, aucune nouveauté. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, le tanu. Enfin, oui. La fleur d'or. Enfin, franchement. Franchement, faut pas non plus se foutre de moi. Faut pas non plus. En plus, en mode d'emploi, il l'appelle la fleur de feu d'or. Hein, fleur de feu d'or. Et les dessins de la. Enfin, les dessins du. De, quand Mario utilise la fleur de feu, c'est exactement les mêmes que quand tu utilises la fleur d'or. Oui, enfin bon, c'est dommage. Il aurait pu être mieux le jeu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Enfin bon. Il y a quand même des bons jeux qui sauvent, hein, comme je sais pas, Mario Tennis. Mario Kart 7, je m'en suis vraiment lassé. Là, vraiment, quand ils avaient. Assez rapidement de Mario Tennis. Je me rappelle quand j'avais eu Bros 2, j'avais vraiment peur que Bros Wii soit comme ça. Il soit comme ça. Enfin, quand on avait eu Bros 2 aussi, parce que je te voyais jouer, je voyais que c'était de... Enfin, pas de la merde non plus, faut pas dire ça comme ça, mais c'était pas... C'était vraiment trop ressemblant à mon goût, quoi. Non ! Oh, j'hallucine ! Oh, j'hallucine ! Ah, j'hallucine. Voilà. Ça, c'est vraiment ma chance de merde, quoi. C'est comme ça que tu me bats à chaque fois. Enfin, bon, voilà. Donc, j'avais peur que Bros Wii soit comme ça, mais non, il est pas du tout comme ça, c'est... Il a quand même... Pas spécialement beaucoup de nouveautés. C'est pas qu'il a beaucoup de nouveautés, hein, on va mais bon, il en a quand même plus. Surtout ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y a pas du tout de nouvelles musiques, quoi. Ce serait bien quand même qu'il y ait des nouvelles musiques. Ah, si, bon, pas spécialement, là, regarde, la musique qu'on entend actuellement, c'est une musique de Bros Wii, hein. Non. Mais arrête. Ah oui, si, il y a quand même deux nouvelles musiques. Attends, deux secondes, je monte un peu, deux secondes, je monte le son de la télé. Non, mais si, je te crois, c'est la musique du... Bah, ça va pas, c'est une musique de Bros Wii, ça. Je la reconnais, moi, mec. Oui, non, mais
mais si, je la reconnaissais, mais j'entendais pas trop. Enfin oui, voilà, donc c'est une musique de Bruce Lee, vous voyez. Après, on va pas vous le cacher qu'avec Gucci Yu, on s'attend vraiment, enfin, à du copier-coller. Mais, façon... mais c'est un DLC, c'est un DLC. Mais je sais pas pourquoi ils vont sortir la version bois, je me demande ce qu'il y aura de... Bah, c'est pour que les gens, si tu veux, ils l'achètent quand même, parce que sinon, c'est tous ceux qui l'ont pas internet et tout, ils pourront pas l'avoir. Mais je sais pas, est-ce que par exemple, il va y avoir un nouvel écran titre, ou ce sera le même, mais sans Mario et à la place Carotin. C'est les questions qu'on se pose. Ok, alors attends, on va voir. Bon, voilà. Oh là là, je sens que j'ai gagné. Ça va être entre nous là dans les. Au fond. Enfin, enfin voilà, bon. Vous, Gio, franchement, on s'attend à. Ah, du copier-coller, mais bon, c'est pas grave, c'est un DLC, c'est pardonnable. Et encore, ils ont l'air d'avoir quand même. L'air d'avoir pas mal de petites nouveautés, hein. De petites nouveautés. À mon avis, à mon avis, je peux pas vous dire, ce serait. Je peux pas vous dire, mais à mon avis, il y aura plus de nouveautés comparé à Bros 2. Et sérieux, parce que Bros 2, quand tu réfléchis, mais il avait rien de nouveau, hein. Mais je. Oui, non, je l'ai pas aimé, Bros 2, hein, voilà. Je. Oh, oui, c'était avec le même, quoi. Oui, donc non. Donc oui, ça fait égalité automatiquement. Non, mais Bros 2, voilà. Je le critique, tu le critiques. Bon, c'est pas. Non, c'est pas de la merde, hein, je dis pas ça. Mais je dis que c'est un Mario, quoi, quand même. Attention, hein. Mario, c'est censé être. Innovant. Bah. C'est censé être un des meilleurs jeux Nintendo quand même, Mario. Vous êtes d'accord, c'est la mascotte et tout, donc voilà quoi. Alors bon, voilà quoi. Et les gars, faut pas non plus. Après, avec. Je sais pas si vous êtes du même avec moi après. Bon, on a vu quand même quelques. Là, Super Solus, là, qui faisait un peu des Game Explorer, là, je sais pas si vous connaissez, qui avec. C'est américain. Ouais, qui font avec une loupe qui montre le jeu un peu, les secrets du jeu. Puis on a regardé des vidéos de l'E3 et tout. Voilà, et d'après ce qu'on a vu, il y a l'air d'avoir quand même. Ça va pas dire énormément de nouveautés. 3D World, ouais, bah, il non, a l'air. Non, je parlais de Luigi. Ah, Luigi, oui, excuse-moi, je peux. Bah, je il va y avoir les. Je pensais à 3D World. Les ouais, petits Mario, il faudra sûrement trouver dans les niveaux. Enfin, c'est pareil, faut. Enfin, bon, on sait pas trop, on va vraiment découvrir ça avec vous. Et ils vont avoir changé Full Ground. Mais. Full Ground, on va changer. 3D, Full Ground, petit rappel, c'est ce qu'il y a devant. Par exemple, là, les nuages, c'est ce qu'il y a devant. Les nuages où on est en train de marcher, c'est le Full Ground. Ouais. Oui, et par contre, pour Super. Non, surtout Full Ground, c'est où ce qu'on marche, quoi. C'est. En fait, et aussi pour Super Mario 3D World, en fait, on a. En fait, à l'E3, il y avait une démo, et en fait, sur YouTube, on a cherché, on a mis l'épopée de la démo, et d'après les niveaux qu'on a vus, il y a beaucoup de petites. D'innovations, de petits trucs pas mal. Hein. Enfin, d'innovations. C'est qu'une démo, c'est qu'une démo. Ça. Bon, ça a l'air pas mal, mais le jeu a l'air simple. Il y a des. Bah. D'après ce qu'on a vu, il y a des power-ups partout. Alors, j'espère. Il est possible hein, que ce soit un peu du style 3D Land qui a un monde secret après. Attends, crache pas s'il te plaît, c'est très cool. Qui a un monde secret après quoi, mais après je sais pas. Ça personne sait. Par contre, d'après ce qu'on a vu, il y a des nouvelles musiques. Hein. Ça, il y a l'air d'en avoir pas mal des nouvelles musiques. Après, c'est oui, alors j'espère. J'espère que la série des Mario 3D ça va pas finir comme les Bros. Wii, hein, que c'est que des répétitions. Je crois qu'ils ont dit. Oh là là. J'ai cru comprendre que il y avait des musiques remixées de Super Mario World. Oui, c'est possible, oui, je crois. De remix de Super Mario World. On n'entend pas très bien après. Parce que, comme ça, le 3, il y avait beaucoup de bruit ce jour-là. Mais je crois qu'il y aura des remixes de Super Mario World. Bon, après. Bon, après, évidemment, vous jouez avec Mario, Princess Peach, Luigi, Toad Bleu. Voilà. Ça change pas de. Excusez-nous, là, le téléphone qui va sonner. Alors, attendez, juste, comment je vais faire? Bah, elle va avoir une petite coupure, excusez-nous, du coup. Et donc, nous revoilà! Alors pour vous ça va faire quelques même pas un millième de seconde alors que nous ça va faire une minute. Oui. T'as la personne qui téléphonait, voulait pas nous lâcher, elle était genre je veux un autographe de vous. Mais comment vous avez notre téléphone? Elle fait ouais, j'ai cherché dans l'annuaire. C'est la blague pourrie de la vidéo. Bon alors donc oui, où est-ce qu'on était? Où est-ce qu'on en était? Ah oui, donc là il y a avec Gargantulus. Non, c'est Drangy. Oui, mais moi je l'appelle Gargantulus. Gargantulus, il m'avait tellement marqué dans Galaxy 2 que maintenant. Oui, c'est vrai, j'avais bien marqué son titre. Dédicace à lui s'il regarde cette vidéo. C'était la deuxième vanne pourrie de la vidéo. Cette vidéo ne sera jamais mise en ligne. À cause de ces deux blagues pourries. Est-ce qu'on peut le tuer? Ouais. Non, oui.
Quel village n'es-tu ? C'était la phrase qui veut rien dire de Sacha ! Oh oh, non ! Capitaine, oh oh, dadadadam, oh oh, dadadadam. C'est dans quoi cette musique ? C'est pas Maketo ? Je sais pas. Putain, merde. Je suis désolé. Non, mais. Alors là, si tu prends le truc, j'aurais 4 trucs à te dire. Mmh. Bah, t'as eu de la chance. Tu es méchant. Non. Mais tu es méchant là par contre. C'est venu comme ça. Là le background par exemple il est joli parce que vous ne l'aviez pas vu enfin avec l'HD PVR en HD quoi. Mais là vous pouvez mieux le voir. Vous pouvez voir qu'il est joli. Moi je suis mort et j'ai rien lâché. Ok. Ah, j'aime pas quand ça fait une coupure dans la vidéo parce qu'on peut pas voir à combien de minutes on est rendu. Oh, purée. Puis-je rire? Non. Et voilà, ce niveau il faut. Bon, non, il faut pas. Vous avez vu le principal, on était rendu vers la fin. Ok. Stop. La maison. J'aime bien voir nos gueules. C'est ça qui te choque. Bah ouais, c'est trop kiffant. C'est pas trop kiffant. Putain. Ah oui, et ça, regarde, tu l'as vu venir. Eh bah ouais, tu l'as vu venir. Merci, Sacha. Tu viens pas un jour. On avait dit qu'on se tuait pas, franchement. Bah oui, bah dans ce cas, ça veut dire tuer. Ça veut dire tu m'aides à mourir. Ouais, si c'est touché. Alors, puisque c'est comme ça, j'ai pas d'autre choix que de te tuer. Non, c'est pour rire. Hein. Bon week-end dans ce niveau, hein. On est fans de New Super Mario Bros 2, même si on a pas beaucoup. Il me reste un niveau. Et on est méchant avec Bros 2. Le pauvre, il nous a rien fait. Bah, il nous a quand même fait. Il nous a fait perdre. Qu'est-ce que j'avais dit en plus? C'était le clash de la vidéo. Oui, je sais, je t'ai tué. Je dirais même, là le truc, le mec, on trouve pas sympa. Je dirais même que utiliser l'extraterrestre sur Nintendo NES était mieux que ce jeu. Pourquoi tu prends la voix de la mafia? Non, je prends la voix du vendeur des BD dans les Simpsons. Oui, on regarde les Simpsons. Non, mais sérieux, qui n'a jamais regardé les Simpsons? Là, tu vois, non, le pro, là par contre, vous voyez là ce background par exemple, et bah on le voit que à la fin du niveau. Et bah dans le New Super Luigi U, carrément il y aura un niveau qui sera fait entièrement avec ce background. Yes. Ça c'est bien. On va en avoir plein la gueule. La lune noire. Enfin là elle est pas très noire mais. Ouais. Mais on sait tous que Sacha est daltonien. On le pardonne d'ailleurs. Alors pièce. Ouais. Le père. Oh là là là. Peut-être une victoire pour la pour le gang Sacha. Espèce de connard. Oui, j'ai insulté Sacha, oui. Ouais, taisez-vous, ouais. Allez, standard. Stage personnalisable 7. Niveau de la merde. Putain, j'ai pas le temps d'aller. Allez vite. Ouais. Non! Je l'avais, quoi! C'est moi qui gaspillais mes pièces, elle est tapée dedans! Mais t'es assez mal! D'accord, si tu veux. Oui, Sacha a envie d'aller au cinéma. Quoi? T'es assez mal! Non, 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 je l'aurais. Ah, j'hallucine, il en restait une, quoi! De toute façon, c'est moi qui gagne. Alors, je check! On n'avait pas vu ça. Comme du coup. Le dernier niveau. Non, mais j'hallucine! C'est moi qui l'ai eu ou pas? Je sais pas. On peut regarder au ralenti. Ah merde! Ah putain. Je sais pas, j'ai pas le temps de voir. Ah oui, tu sais, c'est moi. Oh, mais là, je vais en perdre. Oh non, Dalle.
Ok. Là par contre c'est moi qui l'ai eu, ça je suis sûr. Non. Je suis mort. Non. Je vais chercher cette pièce ainsi que ce champignon. Je ne vais pas commenter ce qui vient de se passer. Ça ne servirait à rien, mis à part à m'énerver. Ok, alors là, je crois que ça va être serré. Hein. Franchement, je crois que ça va être serré. Ok. Alors, voyons voir. Voilà. Ah, les bonus, tu me bats. Ah non. Et bon, t'es quand même premier. Ah, ça me saoule. Là, il va finir premier. Trois partout. Ah bah, alors là, celui qui gagne, il a gagné. Hein. Il a tout gagné, celui qui gagne. Ah oui, c'est oui, il est marrant. D'ailleurs, la maman, je crois qu'elle a trois checkpoints. Ouais, je ramasse des pièces. Donc là, c'est un peu un niveau avec plein de trucs géants. Ce niveau, c'est le plus long, je crois. Hein. Je crois que ça fait un niveau complet, pratiquement. C'est le niveau le plus long du jeu. Non. Si, ça peut être. Pourquoi ça peut pas être le niveau plus long du jeu? Parce qu'ils sont tous à la même longueur. Non, je sais pas en fait. Non, mais je crois pas. C'est des niveaux bonus. Le niveau le plus long du jeu, il va pas être un niveau bonus quoi. Bon, après, il y en a qui sont longs parce que le scrolling il va doucement donc. Difficile à dire. Puis regarde le. On a démarré, je crois. Ah non, on a peut-être démarré à 600 du temps. Ah non, ta gueule. Oh ta gueule, oh non ta gueule, genre, oh non il va tout avoir, ah il va tout avoir. Mec, au lieu de le lâcher, pourquoi tu le gardes le combat? Lâcher. J'en fous du combat, c'était... Mais non, je me suis... Oui non, mais je le tenais parce que je voulais l'envoyer avoir tout du... Ah oh, non, il va avoir ça, tiens je te laisse carrément, je... Non parce que si je me précipite, que je crève en plus pour essayer de l'avoir et que en plus après je l'ai pas... Ah oui, ça... Trompé, Max, ne s'était pas trompé. Oui, je suis sorti de la terre. Je me suis pas trompé. Trompé. Après, ça va dire... Putain, et je gagne quand même, hein. Mais la dernière fois que je t'ai vu, t'étais aussi plus exact. Mais ça, c'est sa blague de merde, les gars. Après, il est fier de lui. Fier de sa cassance. Oh, j'hallucine. Ah, il va avoir gagné. Ah, il va avoir maintenant avec le bonus fois 20. Il gagne toujours. Sauf que là, c'est pas Luigi, c'est Sacha. J'ai ça. Ah, mais en fait, j'ai la salopette de Luigi. C'est pas un peu dégueulasse? Et toi, t'as même sa casquette. Imagine s'il a des poules Mario. Ta gueule, t'as suivi pas, mon ami. Oh merde. Et voilà. Oh. Tu gagnes haut la main. Non, pas roulement, inquiète. Et donc voilà, si vous aimez, donc notre vidéo s'arrêter ici. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et un commentaire qui fait toujours plaisir si vous êtes nouveau. À vous abonner à la chaîne. Allez, ciao tout le monde, c'était Mario Vidéo 44 pour Sacha. La vie plus belle. Allez, bye bye tout le monde. Bye bye.